Qu'est-ce que tu as foutu au GIM? Tu devais pirater l'agent, pas faire un marché avec lui. Tu penses qu'il va s'en tirer? Tu ferais mieux de t'en faire pour toi. C'est lui? Le bouffeur de scope que t'as envoyé en premier dans la gueule du loup? Dis-moi ce qui se passe ou je t'étripe pour voir en dedans. Essaie si tu l'oses. Assez. Il faut qu'on descende. J'ignore ce que mijote Netwatch, mais ils n'en ont pas fini avec nous. Tu t'en fais pour nos agents? Alors mets-lui une balle dans la tête. Je sais pas ce qu'ils ont mis en lui, avec quoi ils ont corrompu son système. Tu ignores ce qu'il avait en lui depuis le début, la valeur que ça peut avoir. Je sais, je l'ai scanné. C'est qu'un simple ragnon de merde. Allez, menez Mounion à Kavoa. Viens avec moi. Vous devez être Brigitte. Vous n'êtes pas facile à trouver. Tu as quelque chose pour moi. Vous êtes au courant pour la biopuce, hein? Si elle est fonctionnelle, on peut t'en offrir un bon prix. C'est pour ça que vous acceptez de me parler? Parce que vous savez que j'ai la biopuce? Pas parce que j'ai sauvé votre cul de la glace? Si j'étais un ragnon ordinaire, vous m'auriez déjà fait la peau. Placide t'a pris pour un simple minable. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Mais tu savais pour la puce. Et tu t'es quand même mis en danger au GIM. Comme vous. Sauf que je m'en suis tiré tout seul. La biopuce est foutue. C'est pour ça que je suis là. J'ai pas trouvé une seule personne foutue de me retirer cette saloperie sans me griller la cervelle. Vous avez commandité le vol. Alors vous devez savoir quelque chose. Forcément. Comment sais-tu tout ça? Comment nous as-tu trouvés? Evelyn Parker. Ce nom vous dit quelque chose? Ah, la poupée. La pute. Elle t'a mené jusqu'à nous. Elle n'est peut-être pas totalement inutile, finalement. Bon. Vous pouvez m'aider ou pas? Oui, bien sûr, mais pas ici. On va rejoindre la crypte. Là, tu devras nous donner accès à la puce. Quand on aura les données nécessaires, on fera de notre mieux pour t'aider. Sérieux? J'en ai pas déjà fait assez pour vous? C'est le seul moyen. Pour la retirer, il faut d'abord qu'on l'examine. Parce que si vous merdez, vous vous retrouvez les mains vides, c'est ça? Je t'ai donné ma parole. On va t'aider. C'est bon. Je vous suis. Vous avez l'air d'adorer cet endroit. Mais franchement, je vous sens pas trop la fibre religieuse. On a laissé nos dieux à Haïti, mais on est fort ici sans eux. Par ici. Placide, comment ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce? Il l'a pas reconnu sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Et Placide, il est... Il y a une bête de bas. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Tu l'as laissé te scanner? Non? Pourquoi? Ça nous compliquerait le travail. C'est un ancien tunnel de métro? Non. Un bout du réseau intercontinental Maglev.
quand tous les États étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Virez courant! Tout le bagage paraît. Nous qu'à commencer. Bon. On va t'emmener dans le cyberespace. C'est l'endroit parfait pour te laisser interagir avec le construct. Alors vous devez avoir votre propre version de l'interface Syntec. On a notre propre version de tout. On n'utilise rien qui vienne de la ville. Comment je peux être sûr que je reviendrai? J'ai quoi comme garantie? Tu seras dans notre forteresse de données, sous surveillance. Ouais, la vôtre. Si tu savais ce qu'il y a dans le cyberespace, tu ne ferais pas tant de manières. C'est quoi la différence avec un bon vieux taf de Netrunner? L'interface te montre les couches de données directement depuis le net, de manière lisible, bien sûr. Les simples runners ne voient qu'une carte. Ils ne peuvent pas voir sous la surface. Leur technologie n'est pas assez puissante. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silver End. On veut contacter Al Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silver End. Alt? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Oh! D'où? Et par qui? Par Johnny. Mais il m'a pas dit grand-chose. Johnny? C'est bon, V. Je crois que tu devrais lui dire. À propos de quoi? À propos de nous. Le construct est actif. Johnny et moi, on peut taper la discute de temps en temps. On regardera ça aussi. Quoi, vous croyez que j'hallucine? Que je me suis trouvé un ami imaginaire? On ne sait presque rien sur la façon dont un engramme existe dans un réseau neural humain. Je vais vous dire un truc. C'est pas terrible pour l'humain. C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silver End sur la biopuce. Alt le saura. S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Direction connectée. Connexion instable. Johnny, on dirait que tu vas servir d'appât. Ça te dérange pas? Non, c'est bon. Fais ce qu'elle demande. Le mur noir, c'est quoi au juste? Je veux dire, je sais que... Tu sais juste ce que Netwatch veut bien te dire. Le dernier rempart contre les IA après la guerre. La grande victoire de l'humanité contre le chaos. Ouais, le genre de propagande Netwatch qu'on voit à la télé, quoi. Sauf que le mur noir aussi est une IA. Avec pour condition limite de ne rien laisser passer dans un sens ou dans l'autre. Si les IA pensaient comme des humains, elles l'accuseraient de trahison. Et... pourquoi vous vous intéressez tellement à Alt? Alt est la seule à pouvoir nous faire franchir le mur noir sans risque. Quand le changement se produira, on veut être du côté des vainqueurs. Le changement? Quand le mur noir a été construit, tout le monde pensait que la glace serait suffisante, qu'elle tiendrait les IA dangereuses à distance. Mais la technologie progresse, c'est inévitable. Et maintenant, une nouvelle catastrophe est assurée. Et ce sera pour bientôt. Les corporations ne voient pas le danger. Mais nous, nous serons prêts. Oh, sérieux? Pas la baignoire. On doit te préparer à plonger dans le cyberespace. Tu n'es pas habitué à la sollicitation neurale. Essaye pas de te défiler, V. Fais ce qu'elle dit. J'ai pas envie de griller avec toi. Quand faut y aller? Qui m'a dit pas le protéger, lui? Léon avec Jean Kiri. Bon. Et maintenant? Il paraît. Johnny. Paris plonger.
On est où, là? Notre forteresse de données. Notre forum. Une passerelle vers le DeepNet. Tout est... si vivant, si réel. Le cyberespace est en mouvement constant. Il respire. L'interface ajuste le flux des données suivant les capacités de ton cerveau. Mais toi, tu es un cas exceptionnel. Vous voyez quelque chose que je vois pas? Oui. Le cyberespace, il est toujours... trop belle. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt, et rien que Alt. Ça devrait prendre le jeu. Brigitte ? Qu'est-ce qui se passe ?